Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'écriture d'un roman. Alors maintenant, vous connaissez le concept, rentrons directement dans le vif du sujet. Bonne écoute à vous. Le jeudi 22 octobre 2020, j'arrive bientôt à la fin de ma dernière relecture, avant de l'envoyer à ma professeure de français, qu'il faudrait d'ailleurs que je recontacte pour la prévenir que je vais lui envoyer quand même, et pour savoir si elle est toujours partante pour lire mon texte. Mon point de vue sur mon roman change tous les jours. Un jour, je trouve que c'est pas mal, le lendemain, je trouve que c'est pas très bien. Des fois, je considère que c'est bien écrit, d'autres fois, je trouve que pas tant que ça. Disons que dans la tournure de mes phrases, il y a quand même beaucoup de répétitions, d'expressions qu'on retrouve, ça et là. Ça, je pense que ça pourra s'améliorer qu'à force de travail. Mais c'est vrai que j'ai pas une fibre littéraire naturelle. C'est pas un don, c'est pas quelque chose qui m'est acquis de manière intuitive. C'est quelque chose qui demande à être travaillé pour moi. Enfin, là, j'ai commencé à lire le roman de Colette, Le blé en herbe, que j'avais adoré quand je l'avais lu à l'heure adolescente, il me semble. Ça fait très très longtemps, en tous les cas. Et quand je vois la manière dont elle écrit, elle a l'air de manier les mots avec une fluidité de laquelle je ne dispose clairement pas. Après, je pense qu'il y a des auteurs qui écrivent de manière beaucoup plus fastidieuse, comme moi, et d'autres qui ont une facilité pour l'écriture. Hein. C'est comme pour tous les arts. Même pour tout dans la vie, il y a des gens qui sont doués pour des choses, moi pour d'autres, et à force de travail, on peut arriver à dépasser quelqu'un de talentueux qui va pas travailler sur son talent, sur son don. Quand j'étais plus jeune, je dessinais beaucoup et j'étais très douée pour le dessin. Tout le monde, tous mes proches disaient que j'avais un don, et c'est vrai que j'avais une grande facilité à reproduire ce que je voyais. Ça a été une vraie surprise en fait. Ça m'est tombé dessus du jour au lendemain. Un jour j'ai voulu dessiner un portrait et le résultat a été assez hallucinant par rapport à l'âge que j'avais. J'avais 12 ans, je m'en rappelle très clairement, très nettement. Et à la suite de ça, j'avais commencé à faire des cours de dessin. Et là le professeur il avait dit qu'il y avait des gens qui étaient doués, qui, s'ils travaillaient leur talent, seraient toujours les meilleurs, mais qui pouvaient se faire rattraper par les autres qui n'avaient pas forcément de talent au départ, à force de travail. Et typiquement, moi, j'ai laissé tomber le dessin, alors que j'étais très douée là-dedans. Aujourd'hui, quand je m'y remets, c'est fastidieux. C'est beaucoup moins évident pour moi que pour quelqu'un qui a continué à dessiner et qui a travaillé cette faculté. Mais voilà, ce qui est positif là-dedans, c'est que des fois, on n'a pas forcément le talent pour une chose, mais à force de travail, on peut arriver au même niveau que quelqu'un qui a un talent et qui ne va pas forcément le travailler. Je ne sais pas si je suis très claire, mais c'est un petit peu comme ça que je vois les choses. Le vendredi 23 octobre 2020, je viens de finir la relecture de tout mon texte, et la fin, je la trouve toujours aussi bien. Je veux dire la toute fin, hein. Après, j'ai des questionnements par rapport au passage qui la précède. Je pense qu'il manque encore des choses, il y a encore des scènes à fignoler. Peut-être que ça s'enchaîne pas aussi bien que ça pourrait s'enchaîner. Il faut encore que je travaille, mais j'avoue que là, à la fin de cette relecture, je sais pas ce que je vais pouvoir faire de plus. J'ai pris très peu de notes lors de cette relecture. Peut-être que je peux vous en partager quelques-unes. Revoir toutes les scènes où Olivia rencontre des femmes. Il faut aussi que je travaille sur mes scénettes de Gotule pour que ça soit vraiment une histoire parallèle au roman, pour qu'il y ait aussi un enchaînement logique entre les différentes scénettes. Les chaises en plastique, symbole de l'évolution sociale, a déplacé la première fois que j'en parle. Ça, à mon avis, vous n'allez pas comprendre grand-chose. Hein. C'est parce qu'en Inde, bon ça je peux en parler, hein, je dévoile pas grand-chose de mon livre en vous disant ça. En Inde, en fait, j'avais remarqué que ceux qui possédaient des chaises en plastique, comme celles qu'on peut avoir chez nous en France dans nos jardins, c'était comme un symbole de progression sociale. Quand on allait quelque part chez les gens, etc., ils nous proposaient toujours de nous asseoir dans ces chaises, alors que les architectures des maisons, il y a un petit rebord au niveau du mur qui est comme un banc sur lequel on est très confortablement installé aussi. Mais dès qu'on allait quelque part, les gens qui nous invitaient insistaient pour qu'on prenne place plutôt dans ces chaises en plastique, alors que nous, on aurait préféré s'installer sur le rebord du muret. Mais pour eux, c'était mieux nous accueillir que de nous proposer ces chaises pour nous asseoir. Donc j'en parle en fait, c'est une petite anecdote, hein, mais ça rend le texte aussi plus vivant. La scène du marché traditionnel est mal écrite, à réécrire en m'inspirant des photos. La fin de la scène du restaurant pourrait être allongée. Déterminer comment le point de vue d'Olivia évolue sur le Gotule au fur et à mesure qu'elle apprend les choses. Alors oui, ça c'est quelque chose que je pourrais faire. Donc voilà en gros le peu de notes que j'ai pris, donc c'est vraiment pas grand chose, je vais pas pouvoir aller très loin avec ça.
En faisant le montage aujourd'hui de mon podcast, je me rends compte que j'idéalise beaucoup le rôle de l'éditeur. Je me demande si je ne lui prête pas trop de fonctions par rapport à celles qu'il occupe vraiment. Parce que là, je m'attends à ce qu'il règle tous mes problèmes. Alors que oui, il peut en régler certains, mais il est peut-être pas tout puissant. Et puis ça reste quand même l'auteur d'écrire son livre. C'est pas un livre à quatre mains qu'on fait avec l'éditeur. L'éditeur, même s'il peut avoir un répondant par rapport à l'auteur, c'est pas non plus... c'est pas un auteur, quoi. Son rôle, c'est plutôt de s'occuper de la publication, de l'édition du livre. C'est pas le même travail que l'auteur. Je pense que j'en attends trop. Il faut pas que je compte sur lui. Ou pas autant, en tous les cas. Le samedi 24 octobre 2020. Je suis en train de travailler sur les scénettes de Gotule pour essayer d'avoir des histoires qui s'entremêlent et qui se suivent avec des personnages clés qu'on retrouve d'une scène à l'autre. Et alors en fait, j'aimerais qu'à chaque fois qu'il y ait une scénette, la nouvelle personne qui apparaît, ce soit celle qu'on retrouve après dans la scénette d'après et sur laquelle on va raconter l'histoire. Je me prends un petit peu la tête avec ça. Je sais pas si je suis très claire, mais par exemple, dans la première scène, je parle de Munga, Shaitu et Soleya. Donc Munga est une jeune fille qui s'apprête à quitter le Gotule parce qu'elle va être mariée, mais elle est amoureuse de Shaitu. Shaitu est aussi amoureux d'elle, et donc ils sont très tristes de se séparer. Et en même temps qu'elle passe sa dernière soirée, Soleya, qui est un peu le bout en train du Gotule, danse et fait le fou, il fait rire tout le monde. Et donc c'est le personnage qui apparaît. Sauf que derrière, je sais pas quelle scène écrire avec Soleya. Parce que Soleya, c'est un mec un peu solaire, qui est très léger, qui ne s'intéresse à rien, à part boire beaucoup, faire la fête, et voilà. Donc je sais pas trop quel rôle lui donner ensuite. Sauf que c'est le seul personnage dont je parle au-delà de Munga et Shaitu, et du coup je ne sais pas du tout quel rôle lui attribuer par la suite. J'ai pas trop d'idées pour lui. En fait, dans ces scénettes, je parle de deux types de Gotule. Il y a le Gotule du type Jodidar, c'est là où on peut garder un partenaire fixe, et il y a le Gotule de type moderne où il faut changer de partenaire régulièrement. Et donc j'essaye de faire une fois l'un, une fois l'autre, d'intercaler l'un et l'autre de manière régulière. Bon, je vous raconte tout ça, mais à mon avis, c'est pas très compréhensible. Mais c'est surtout pour dire que c'est une vraie prise de tête. Mais en même temps, je pense que si je fais ce travail-là, ça va rendre les scénettes de Gotule beaucoup plus intéressantes et ça sera plus juste des petites poésies qui se distillent dans le corps du texte. Ça pourrait vraiment être une histoire à part entière et ça peut être intéressant à traiter ça comme ça. Le dimanche 25 octobre 2020, je continue à travailler sur mes scénettes de Gotule en essayant d'organiser mes histoires de manière à ce qu'il y ait des personnages avec un vrai caractère, une vraie personnalité, et qu'il y ait un fil rouge qui soit beaucoup plus suivi que des petites scénettes indépendantes les unes des autres. Donc ça me prend pas mal la tête, parce que en plus d'intervertir les deux Gotules, je suis en train de faire la liste des personnages qu'il y a dans chacun des Gotules, voir ceux qui peuvent revenir d'une scène à l'autre, comment je peux un peu... les distiller tout au long de ces scénettes, en leur donnant des fois plus ou moins d'importance en fonction de l'action qui est en train de se passer, et en même temps que ces scénettes puissent nous en apprendre plus sur le Gotule. Donc c'est un peu un schmilblick prise de tête, mais ça avance, ça commence à ressembler à quelque chose, à être assez logique, plus que ça ne l'était avant. Alors c'est peut-être moins poétique aussi. Après, voilà, hein, je peux très bien construire une histoire qui se suit parallèle à celle de mon roman. Et puis si ça me plaît pas au final, je reviens à ce qui était auparavant. L'un n'empêche pas l'autre. Le lundi 26 octobre 2020, en travaillant sur les scénettes, en essayant de les faire se suivre, il manque toujours quelque chose, faut toujours aller plus loin dans cette perspective. Telles que je les ai écrites là, à présent, on se dit mais qu'est-ce qu'il est devenu, lui, qu'on voit au début, après on n'en parle plus. Et en fait, il y a 10 fois trop de personnages. Et plus je travaille, plus il faut que je rajoute des scènes, plus il faut qu'il y ait de choses. Et j'ai peur que ça corresponde plus du tout à ce que je voulais faire au départ. Je voulais que ça reste des petites bulles de poésie et pas forcément une fiction suivie avec un début, un milieu, une fin. Parce que voilà, dès lors qu'on suit des personnages, il faut qu'ils aient chacun une histoire. Et là, s'il faut que je mette un fil rouge pour chacun d'entre eux, on n'a pas fini. Donc c'est ça qui me pose question. Et puis il y a des personnages secondaires qu'on revoit à plusieurs reprises, mais qui n'ont pas une importance capitale, et en même temps on aimerait leur voir tenir un rôle plus grand, puisqu'ils reviennent plusieurs fois.
Et là, d'un coup, ces scénettes deviennent beaucoup plus ambitieuses que ce que je voulais faire au départ. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, rendez-vous la semaine prochaine, dès lundi. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à le partager autour de vous et à me le faire savoir. Pour cela, retrouvez-moi sur Instagram sous le nom d'Aurélie Horner, où je serai ravie d'échanger avec vous. Bon week-end à tous et à bientôt.